Pour le snack. Ok, ok. Ok. Ouais, donc c'est bien parti sur Roy au final. Il y a des gens qui... Il y a un débat de navigateur sur le PC, je vois. Ouais. J'ai Opéra GX, donc j'en rajouterai un dernier, tu vois. J'ai vu Opéra, j'ai vu l'interface de Chrome, j'ai fait... Ah. Mais là, du coup, on est parti sur... Roy, du côté de Pulga. Bah t'avais raison, félicitations, putain, ça m'aide, excusez-moi. Ouais, il l'avait dit juste avant qu'il avait commencé à traîner un petit Roy. Je trouve que c'est une idée un peu spéciale parce qu'à la seconde même, avec les épées, ils ont du mal face à Snake parce qu'à la seconde même où il tape, et encore plus Roy parce qu'il fait du feu, et ils touchent, ils font péter tous les explosifs. C'est, à la seconde même où ils touchent. C'est vrai, mais après là où Roy. Après, je veux peut-être finir rapidement d'être les stocks. Hein. Plus au corps à corps contrairement à d'autres épéistes. Mmh. Enfin, ça reste un épéiste, mais il a cette particularité de devoir être au corps à corps et pas jouer sur la distance de l'épée. Moi je pense que résultat, Roy, le gros avantage qu'il pourrait avoir, on va dire, dans le truc, c'est que Snake étant un personnage assez lourd, il peut vraiment peser un stock rapide. Lent et lourd, ouais, c'est, il peut rush down dessus aussi. Mais je trouve, honnêtement, bon, j'aurais plus, déjà dans le match-up, j'aurais clairement vu plus Chrome plutôt que Snake, parce que Snake va jamais vraiment aller te chercher. Ah, ce petit spam de Don Smash là qui court. C'est un petit up smash là en boucle, petite Nikita. Il force un peu la roll, t'as pas d'autre choix que de roll en fait dans cette fonction. Le petit, pardon. Et le up tilt qui va venir prendre la première stock côté Snake. On voit le Snake de Charlie qui est explosif. Hein. C'est exactement le cas. Ouais. C'est exactement le mot à dire, hein. Honnêtement. Pour moi, on met deux, trois petites grenades hein, dans le match-up, ça a l'air. On essaie de prendre un peu l'espace, mais on est un peu corner ledge. Hein. 164%, ça peut mourir au prochain coup. Un petit upper bien placé pourrait faire très mal. Le Jabba marche plus d'ailleurs, hein, je précise. Il n'y a plus de confirme de roll, juste un FT suffirait à close la stock. Mais résultat, il fait très bien de prendre l'espace. Hein. Il se fait péter tout seul, hein, mais il peut pas mourir de. Ah, mais il gratte aussi, il gratte. Hein. Ah, il gratte rien, hein, là, la petite grenade, il l'a touché, mais hop. C'est ça, il prend le coup derrière, mais il met 10% à son adversaire. Et... La petite roll. On joue au corner, on se corner tout ça un petit peu. On continue 75%, ça peut jouer. Ça peut jouer. Avant une stock d'orthèse face à Snake, c'est extrêmement dur. Hein. Il peut vraiment lentement mais sûrement. Oh, ça aurait pu se finir là-dessus. Et la petite très bonne read. Pas mal du tout. Très bonne cover d'option là. 33% de chance de réussir, il a gagné. Je pense sa stock, il l'a rentabilisé, mais à 2000%. Oh là, la deuxième grenade était trop là, il avait vraiment peut-être un peu trop grid. Ouais. Une seule grenade, into, peut-être le grab, c'était ce qu'il a essayé de tenter, et résultat il était un peu en retard. Il perd sa stock, c'est tant pis, mais on a pris très... Ouh. Est-ce que c'était un tentative? Ouais, c'est tentative de C4 collé, hein. Il a voulu close la stock rapidement là. Parce qu'après là, il peut choper un grab et l'envoyer avec le C4, et là ça peut tuer à des pourcentages, mais... Monstrueux, hein, c'est. Non, hop, le petit baquet, on récupère la grenade. Il est déjà en danger, hein. Ah, il se fait dégager tout seul, là, il vient de se prendre 40, 50% tout seul, littéralement. C'est ça, bah là, ça continue. Mais de là, littéralement, à la seconde même, oui. En fait, là, j'ai l'impression qu'en fait, il cherche même plus vraiment à tuer. Là, juste les interactions où les deux vont prendre des dégâts. Et pour lui, c'est worse parce qu'il a la stock d'avance qui lui permet de prendre ce risque sans forcément derrière avoir peur de se faire reverse, quoi. Up tilt, c'est safe. What? On a la spot dodge qui a coûté un peu cher ce coup-ci. 55%, on peut mourir dans les smash encore, mais... C'est bien, faut pas stall le back air comme ça. Et on aura besoin de ces petits pourcentages. Puga qui est bien revenu dans le match, là, mine de rien. Alors certes, il a 10%, mais... Il s'est mis beaucoup de dégâts tout seul, le Snake. Ouh, ça aurait pu tuer là-dessus, hein. C'était une petite erreur d'exécution de la part de notre cher Snake. On va certainement drop un C4, là, pour faire attention. Il repasse au-dessus de C4. Ouais, c'est phase RPS, j'aime vraiment pas. C'est close, là, c'est... Ça peut faire très mal. A réussi à régler cet écart qu'il y avait entre les deux, là. Il y avait, faut dire, il y avait une stock d'avance. Une stock complète d'avance, hein, clairement. Et là, ça c'est attention, on fait l'air dodge. Voilà, le Cypher là, qui vient gêner. Et là, le up tilt. Très loin vers Tomahawk, up tilt. Très très bien joué de la part de notre cher Charlie. Franchement, très très drôle. Et Basile qui était pour Pulga, hein, là clairement. Oh, on est tous pour nos copains. Pulga. On est tous pour Pulga, mais faut pas le dire. Impartialité. Mais non, ouais, monde, bien sûr, là, puce, on va pas se mytho que jouer contre Snake, c'est fatigant. Et mentalement fatigant. C'est... On va avoir donc résultat pour un Terry ce coup-ci. Retourner sur son Terry. Le Shoto qui marche plus, on va dire, face à Snake, hein, je pense.
Alors, faut vraiment faire gaffe parce que certains combos, les moins trop, on va dire, de Terry, peuvent se faire comme ça par la grenade. Mais tu mets quand même tes gros dégâts. Hein. Bon, là, on voit déjà qu'il se retrouvait coincé entre deux explosifs. Il a pas osé faire, il ouais. a pas osé faire upper EB alors que non, il aurait pu non, sortir a... deux explosifs. Hein. Ah là, faut. Bah, plus là, plus le droit à l'erreur. Hein. Une situation de 1-0 pour Charlie. Il doit jouer un peu plus carré, un peu plus clean. C'est ouais. peut-être pour ça qu'il est parti sur son Terry qui au final est le perso qu'il connaît le mieux par rapport à Roy. Hop, petit upper, très bien joué. Là, c'est les gars qui montent d'un coup. Alors, faut pas oublier qu'aussi, résultat, si Terry passe à haut pourcent, là on est à 1% exactement de Dugo. Voilà, on y est là au go. Et là maintenant, le truc très dangereux du match-up, et là c'est exactement ce qui vient de se passer, le truc très dangereux du match-up, c'est la Nikita, où Terry oui. manque énormément d'options pour revenir par rapport à ça. Alors, vu que Pulgas, on va essayer de revenir tout le temps très rapidement, depuis tout à l'heure, je trouve que c'est pas trop dérangeant parce que notre cher Snake a peut-être un peu du mal avant le bon timing. Et là, ça s'est passé sur une Nikita qui gagne au niveau du ledge trap. Et là, c'est très dur parce que là, on se retrouve dans le même setup que tout à l'heure. Ouh, what? Bon, c'est passé. Oh, le port d'un qui est venu mettre un coup dans le crâne, au niveau de la nuque. C'est pas trop. Comment ça? Les deux jabs, ils ont touché. On prend. Là, les 35% du côté de Snake. Actuellement ça se présente plutôt bien en tout cas malheureusement si qui a essayé de faire les 47% que Snake a pris c'est les 47% de ses bombes qui il se prend des gars tout seul hein, le petit Snake hein. C'est dommage. Attention, 86% il meurt pas encore du prochain setup mais faire attention un gros smash ça peut toujours partir hein. Mais voilà 92% on se fait avoir on prend le up tilt bon ça va hein, attention pour resetup on va avoir le grid qui a pas de grid là cette fois il sait pas avoir plus pas une fois pas deux. On va peut-être essayer de j'aimerais bien éviter qu'il essaye de forcer parce que là quand t'as le go avec Snake c'est avec Terry c'est difficile de se retenir de vouloir claquer ton truc. Voilà le F titre là il a pas cancel parce que sinon il aurait peut-être pu l'avoir. Power Dunk. Et c'est bon la DI était. Ouais là je pense que la DI était plus mauvaise. C'était une DI. Ouais ça, voilà. Il a peut-être maintenu son. Il a certainement dû vouloir maintenir peut-être le machine pour essayer de sortir le truc et ajouter à faire une DI sur tout le truc, c'était un peu risqué. Ah le C4 qui n'a pas été vu, qui coûte la stock là. Rester vigilant. Le shield qui descend très très bas, on a raté le grab, on se prend le F-tilt. Là, le BST qui se prend tout seul des dégâts, vraiment, c'est. ça peut faire très mal. Attention, hop, Terry, Power Dunk. Et là, maintenant, au prochain setup, si jamais la DI est plutôt propre, il pourrait mourir, mais ça peut encore s'en sortir. En tout cas, du coup, là, actuellement, on essaie de reprendre du terrain. À chaque fois, il se prend des dégâts de ses grenades, hein. Il en lance plusieurs, ça faut faire très attention à ça. Hop, le. Ça tue ça. On vient de se prendre une histoire avec une histoire de Don't Tilt into coup de poing, j'ai oublié le nom, gros coup. Power Dunk. Non pas l'autre. Buster Wall. Non, Burning Knuckle. Ok. J'ai pas suivi là. Don't Tilt into Burning Knuckle, et je crois que t'as dit il était un petit peu aux fraises parce qu'il a fait tout l'écran. Y'a pas, okay. pas de débat mais c'était le plus milieu de bah, terrain. Tant mieux. Écoute, je vais te laisser finir. T'as ton match ? Non, je dois aller voir Marco deux secondes et je reviens. Ok, bon bah à tout de suite. T'es sûr que tout va bien? Ah ok, donc parfait. Et donc là on reprend tout de suite le match 1-1. On est donc à 1-1, plus le gars contre Charlie actuellement. Le match est très très serré. Terry est passé, donc là on est parti sur ce match. J'ai une petite map hein, clairement. Les deux joueurs vont jouer de très très proche. Ça va être beaucoup plus dur je pense pour Snake de pouvoir espérer de pouvoir zoner. Parce que l'espace qu'il a, what? C'est ouf, on a eu une histoire d'un Terry qui est en train de camper un Snake là. Hop, petit grab, la F-throw, toujours on essaie d'éloigner un peu le Snake. Le Snake qui vient de faire son EB pour essayer de reprendre le terrain, mais à nouveau on reprend un peu de dégâts. Ça, le terrain il a été cédé. Pour le moment les deux joueurs sont plutôt even, hein. Faut vraiment pas oublier que c'est assez lourd un petit Snake. Donc 101% c'est pas encore la fin du monde. Par contre perdre la stock ça serait très très problématique, surtout la vitesse avec laquelle notre cher Charlie prend ses dégâts tout seul, quelques fois, ça peut faire très mal. On fait les berry reverse et tout, on se fait pas punir. Hop, le up tilt qui prend pas la stock 72%. Ah, je vais devoir jouer. Alors, il n'y a plus personne au casque, quelqu'un m'enchaîne. Tu veux ? Ah, vas-y, allez, je te redonne. Et frérot, il fallait mettre en grand écran là. Waouh, c'est pas sérieux tout ça. Hein. Bon, en tout cas, voilà.
Les amis, je suis de retour. J'ai fait mon petit 2-0 contre Diaminger. C'était plutôt carré dans l'axe. Et là, on a 1-1, les amis. Et oui, on voit que... Ouh, 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 très belle option de la part de Charlie. Charlie qui va... Charlie, je ne sais pas. Qui va faire un très, très joli down smash juste après ce grab. Et c'était très, très bien trouvé de sa part. En tout cas, les amis, en tout cas, voilà. On a un match-up qui est assez compliqué. Surtout pour, voilà, surtout pour Terry. Hein, pas mal d'exploser un peu partout. Lui, il ne se bat qu'avec ses points. Et ça, c'est bien triste. Mais là, on a quand même un Terry ZKR bien déter, bien DZ. Qui va mettre 93% à son adversaire. Et peut-être enlever bien cette stock là, on juggle son adversaire, peut-être trouver plus. Ok, on va trouver plus avec ce Burning Knuckle. Très bien joué de sa part et on retire la stock. Charley qui est en sueur. Malheureusement la map est plutôt voilà, elle est plutôt comment dire, j'allais dire courte. Ouais, enfin elle est courte, elle est pas très grande la map quoi. Elle est petite, voilà. Je suis crevé. La map est petite. Ce qui fait que ça va être un petit peu dur pour le Snake de se passer son gameplay, mais c'est aussi problématique pour notre ami Terry qui, s'il n'est pas assez agressif, va vraiment se prendre la sauce des explosions de partout et poser son jeu. Là faut vraiment mettre à son adversaire le plus de mal, plus de qui m'appelle. Ah, on m'a pas appelé, enfin bref. Je disais quoi déjà, je sais même plus. Ouais voilà, qu'il faut faut vraiment mettre son adversaire à mal quoi. Il faut pas le laisser poser son jeu, surtout face à un Snake, c'est compliqué. Et là, c'est un Snake qui a un peu du mal à bien le poser son jeu. Et on va mettre le upper. Malheureusement, ça sera whiff. Ce whiff qui va pas peut-être coûter la game de notre ami Charley. Charlie the Green, Charlie the King. Je ne sais pas, les amis, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est compliqué pour notre ami. Et notre ami qui essaye de trouver tant bien que mal un kill, un grab, afin de pouvoir mettre un up tilt juste derrière. Sa stratégie est claire comme de l'eau de roche. Mais Pulga la voit, Pulga voit à travers cette stratégie et ne va pas se laisser faire, ne va pas se laisser avoir. Malheureusement le grave s'en trouvait et on va rater le up tilt. Normalement c'est censé être trop à ce pourcentage, je ne sais pas ce qui s'est passé et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Peut-être qu'il n'a pas agi trop rapidement, il a attendu justement Pulga pour que le up tilt soit esquivé. En tout cas, ouh, c'était cringe, c'était bizarre, c'était cringe, je ne veux plus regarder cette game. Mais ça fait 2-1 pour notre ami Pulga, très bien joué de la part de nos deux joueurs. Charlie qui a quand même, qui s'est très bien démerdé hein, face à ce match-up et qui s'est très bien démerdé face à Pulga qui est quand même un top de notre région.